On va pouvoir caster. Mr. Game and Gameplay. Dernier en date ici. Je crois que c'est Grail. Tu connais la vidéo de Grail. 3, 2, 1, partez. On avance, Kazuya. Un zombie sur la plateforme, là c'était quand même assez fermé. C'est pas grave, là, dans la même... une petite place, mais pas mal. Il a voulu le surprendre avec un truc inattendu. C'est ça, il a voulu pas le nerf de la vie. Oui, nerf, mystique, je veux dire. Nerf à chier. Voilà, bien. C'est l'efficace. Et tu l'as quand même. Chiant. Ils sont tous ces coups. Oh, ça va. Là, ça va, c'est un parcours. Et là, le penalty. Ça aurait été mieux. Pas les jeux. Ça va beaucoup de rang. Bradley est avantagé en fait qu'il a de la range et qu'il est beaucoup avant pris. Ça, c'est vrai. En vrai, limite, le match, ce n'est pas pour lui. Pas mal, je sais pas. En fait, il y a un peu de Bradley, il y a un peu de Game Manon. Ce que je vois, c'est que le match est comme un check. Et... Il a juste un space et coup. Et il fait des matchs, il est mal en fait. C'est bon. Bah, il est côté, passe à travers la plateforme. Le smash ne sera pas passé. Il n'y a pas beaucoup de smash. Ouais, le smash, ça fait retour à une situation. Il faut encore une game, hein, quand même. Ouais. Ah, c'est assez safe, j'ai l'impression. Il est assez rapide. Oui, il est pas là. Le suicide. Suicide. Non, mais pas du pas. Il s'est pas du pas. On revient ici du côté de son gars. Le nerf qui viendra prendre le tag. Et le sac de pilote bien parti. Oui, let's go, les gars. 1-0. Et Chuga, victoire au Ridley. La fin de la game était sincèrement. Voir si on découvre du gameplay. Il a essayé de rester très safe, mais des fois il a essayé d'être plus agressif, et quand il essaie d'être agressif, il faut se faire punir. Donc à voir, un peu de game plan. Revenir au match-up. Officiellement, peut-être un avantage. Match V, Ridley, The Game and Watch. En fait, comment je le joue aussi. 2-1, partez.
Il y a une petite intro qui s'est bien calibré. Oh là là, le zone D, elle sera pas, ça sera un peu honnêtement. Oh là, oui, non, 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 mais il est comme D, C'est serré. Ouais, là, je pense que c'est improbable. On espère, là, on veut du spectacle. Parce que moi, je suis à 100%, mais je suis pas à 100%, évidemment. Bon, l'adversaire dans l'art de supporter le joueur, parce que match vie. Ce n'est pas pour son perso, je n'aime pas son perso aussi. Et comme c'est un sensei, pour moi, Miss Moto. Ridley. On vient de reprendre l'étalier dans ce moment. On a le culture pick. 3, 2, 1, partez. Ok, ça part sur ce mode d'atelier, mais ça va très, ça peut aller très vite. Là, c'est vrai que je vois ça, notre algo, elle prend plein neutral. Ouais, bah, il avait pas trop de risques à moi. Et là, cette phase de ce gars, attention, c'est fort. Il manque un peu de portée du côté de la Mystery Watch. Ah, c'est clairement.
Je pensais que c'était pas bien spécé, mais en fait il a la volonté de 3 sorts. Est-ce qu'il a une RP pour mettre sur pas très bon ça. Le back air. Le smash. Oh là là, c'est une putain de super. Il a beaucoup sur le smash. Hein. Mais tu prends peur, quand tu te fais un smash. Ok, le nerf. Ouais, il a le. Il a le smash trop loin, hein, pour ça. Il a le nerf. C'est les bombardements du Pénéon qui vient de bon. Prendre la stock ici de ce gars. On avait un écart qui s'est décrasé, mais là l'écart est en train d'être attrapé, mangé par Neko. C'est ça. Avec cette dash attack qui viendra mettre l'edge, notamment. 12ème dash attack après l'autre AB. Attention parce que là, ça devient très tendu pour Giga. Encore que ça fait. Il a fait le trade encore une fois ce side B. Ça fait deux fois. Et là, tu sais pas ce qu'il a mis faire. Yes, il revient, tiens. Il revient, tiens. Le take zone. Et là, c'est dur, là. Et là, prendre le... là, faut absolument prendre le kill du côté de Giga. Hein. Il faut absolument, sinon... Ça fait pas vraiment... Les personnes qui jouent, ça devrait gagner. Bien, il trouve le bon, mais il a eu 5 plus quand même parce que là les rôles se sont inversés. Et sauf que le tiens, mais il a 2 stocks, même s'il a tout fait, il a 2 stocks. Alors là, c'est la stock qui a un peu de gars. Pas de droit à l'erreur, ça c'est bien. Là, Nico, c'est gratuit des pourcentages. Et il le fait très bien, et les cartes creusent parce qu'une fois qu'il aura potentiellement perdu sa deuxième stock, et ben, il aura quand même un bon avancé de 10%. Et là, 70. Oh la taunte! La taunte du côté de Suga, il n'a pas le droit de perdre, il n'a pas le droit à l'erreur, il a taunte. Attention, c'est cette phase de tête, le nerf, attention, c'est on le voit jamais sur terre, incroyable. Pourtant, il est si puissant. Attention à ces air dodge de panique là, et la chaise hein, qui viendra mettre la pression ici, le back-air qui ne va pas tuer, il ne va pas toucher avec le back-air. La pression est palpable, le up smash, pardon, qui n'aura pas touché. Il demande la clé, et les bombardements. Des bombardements qui mettront fin à cette game. Et c'est une victoire pour Mr. Game & Watch. On a eu un pauvre Ali Guillaume. Nos supporters sont là, mais... Allez Antoine. Bah allez Antoine, hein. Qu'est-ce qu'on repart sur Small Battlefield? On repart sur Petit Champ de Bataille. C'est parti. Match V. Mr. Game & Watch. Oh là là, il y a un des sexy dragons hein. Moi je tiens encore les gars, j'y crois. Ouais, non, parce que très compétent. 2, 1, on peut le faire, ça va qu'il a pas trop la pression. Ok, nerf encore une fois, je vais pas lutter là. Oulala, ça l'aura brûlé. Et ça aurait été encore par le nerf de Julien, incroyable. C'est la nuit. Comme ça. Encore. Là, le jab. Et le side B qui viendra toujours pendant l'animation de Recaller. C'est très tendu parce qu'on est déjà à 100% du côté de Suga, mais on a cette phase quand même et on se fait reverse comme ça. On arrive quand même à revenir sur le terrain, mais à respirer, il viendra quand même trouver ce baquet. Le nerf qui n'arrivera pas à toucher. Il n'arrivera pas à toucher et encore un baquet, hein, il met des pénalties. Hein, il en met. Par contre, B, hein. Je pense à B. Comme ici. Le side B, il va toucher. Il a vu dans les yeux et il a vu. Je peux pas faire du SMB. Tiens, regarde. Attention, parce que là, on est quand même à 54%. Là, il faudrait juste gratter du côté de Suga. Il faut absolument prendre les clés. Hein. C'était de Neko, sinon on a vendu mal parce que l'idée c'est lourd. L'idée c'est lourd et c'est vrai que ça galère un peu avec Neko. J'aimerais que là, tu aies cette dash attack. Et
Le backer qui ne viendra pas tuer, hein, ce que tu sais, quelle loi ça galère à tuer, vidéo de nous, on va pas trouver ce donner, mais ça ne tuera pas encore. Hein. On est à 186% du côté de Sigar. Il va me faire prendre ce side B. Il est proche de prendre la deuxième stock. Il est proche de lui prendre sa deuxième stock, effectivement. Donc là, Shugan n'a pas approché. Il est très clair dans son avantage. Et là, il est très bon. On viendra quand même prendre ce up smash, prendre la deuxième stock. Un vengeance comme Shiji. Oh, c'est nerf, hein. De l'angle, certes. C'est ça. On doit vraiment tirer pour nous mettre en smash, on est déjà à 100% hein, du côté de Shuga, ça va très très vite. Mais attention, faire quand même ces deux stocks. Donc s'il peut potentiellement encore gratter, ça sera très bénéfique pour lui. J'espère qu'il n'a pas connecté à lui-même, c'est étonnant. Le nerf qui a été découvert, on est à 166% du côté de Shuga. Il va être fait ce backer. Et là, Shuga qui est en galère parce qu'il n'a pas trop réussi à toucher Neko. Il a 82%. Et là, ça enchaîne. Hein. Il a rattrapé son retard, mais vraiment très très vite. Et la faille, il s'est incrusté, on n'a pas lâché. Ah, par contre, sur Up Smash, il est très bien trouvé. Deuxième Up Smash, encore mieux trouvé pour le coup. Là, attention, et là, Backpack, il ne viendra pas tuer. C'est terrible. Il ne va pas tuer. Et là, smash. Et c'est une victoire pour Ridley. Donc, il y a deux partout. Moi, je pense que le gars, il peut le faire. Ils sont tous les deux à une game d'aller plus loin dans ce tournoi. C'est très, très tendu, là. C'est très tendu. Le genre de match que j'apprécie le plus, c'est pas qu'il va gagner. Ben tu vois, c'était ce genre de set que j'ai joué en stream. D'accord, ouais, j'ai écouté. Ah, j'aurais aimé le voir ça. Match c'est dis-toi, c'est un beau set, c'est un set de coffre. Il avait pas joué, j'avais pas joué. Allez, on veut du spectacle là. 3, 2, on en a un spectacle d'ailleurs. On a une grande phase. Le piste est dans les darons. Pas trop vite ça. Il fallait dire, tu l'as dit. Tu as fait déjà dit. On est déjà à 41% du côté de l'écho, mais on coupe quand même cette phase. Hein. Oh là. Enchaînement, il ne s'arrête pas. Il se sert très bien de plateforme. Hein. Il s'arrête souvent. On va pouvoir enchaîner. Le CF cheat avec ce forward there. Voilà, il y a un smash très bien pacé. Il y a un smash. Il reste safe. Le spacing. Et là, voilà, il n'y a pas de pas. En plus, ce petit, c'était trop long, je pense. Ouais, peu proche en plus. Ouais, je pense. Et là, ça revient. Et effectivement, le smash avec l'arme de Game & Watch. Et quel top match de peu. Allez, le nerf, le backer. Deuxième backer. C'est tout à l'heure. Prendre le mono trambé, tenter de contre avec le nerf, ça va pas un peu. Ok, encore un backer. Aïe, ça va être pas. Je veux pas. Et non, il faut se dessus à ce moment-là, parce qu'on a déjà deux stocks d'avance hein, du côté de Neko, ça va très très vite. Là, il a foncé sur ce match, c'était abusé. Allez pas. Là, on voit, il veut plus prendre de risque. Il veut jouer sur sa portée. La raison, il doit le faire, mais il prendra quand même deux dash attack. Ok, deux grabs. Absro. Évidemment, ça ne touche pas. Oh là là, c'est dommage, hein, il y a encore l'FB avec l'arme de Game & Watch. Et le backer, ce coup, Goto, Pavard, si, il peut le faire. Il peut faire le reverse 3-0, moi j'y crois. J'ai toujours peur hein, quand il y a ces arbres là. Ouais, c'est bien là, ça devient prétendu, il a 5-7%.
Poutine viendra s'imposer ici. Poutine avec ses bombardements. C'est un 3-2, c'était un joli set.